It's Britney, bitch. Hey, salut les ghouls, c'est Luan Brock. Aujourd'hui, on se rejoint pour une nouvelle vidéo parce que c'est une FAQ. Alors, ça faisait un bail quand même que j'avais pas fait de foire à questions. Alors, il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo comme quoi vous pouvez poser vos questions en commentaire. Et donc, je vais le faire tout de suite. J'ai eu 8 personnes qui ont commenté. Bah, après, elles ont fait plusieurs questions, donc voilà, ça dérange pas. Bon, commençons tout de suite. Alors, première question de My Friends Monster Eye. Kikou. Bah, Kikou alors. 1. Si tu devais être une personne autre que toi, tu aimerais être star, célébrité. Ça c'est une bonne question. J'aimerais bien être Phoebe Tonkin parce qu'elle est trop belle. Et c'est une fille, oui, parce qu'il y a aussi des garçons que j'aime bien, mais j'ai pas d'être un garçon, donc ouais, Phoebe Tonkin. 2. L'accent que tu aimerais avoir, marseillais, belge, québécois. Simplement aucun accent, ou alors un accent américain, tu vois. Ouais, parce que ça c'est classe. Mais en France, j'aime pas trop les accents, même si j'en ai un. 3. Le métier que tu rêves de faire, sans hésiter, actrice. Vraiment, je veux trop faire ça. Ta passion que tes abonnés ne connaissent pas. Bah, je sais pas, j'adore regarder des films, faire des vidéos, bah ça paraît logique. Bah, je crois pas que vous en avez, il y en a qui vous connaissez pas. Kiss, je sais, question chelou. Oui, bah tes questions sont pas très cheloues, j'ai vu pire. Hein. Bon, merci pour cette question, My Friend Monster Eye. Passons à la question suivante, et celle-ci est de Ellie King. 1. Tu regardes des mangas? Oui, j'en regardais parce que ça fait un bail que je n'ai pas regardé aussi. je crois que c'est en 5ème que j'ai arrêté, sachant que je suis en 3ème. Enfin, avant, je regardais des mangas animés, c'est bien ça, des animés que tu parles. Je regardais Shinsekai Yori. C'était un peu chelou, mais bon, j'imagine qu'il y en a plein qui sont comme ça. C'était assez bien, mais j'ai toujours pas fini. Et sinon, mon préféré de tous, c'est Yuka. Yuka, c'est genre trop ma vie, vraiment. 2. Tu fais des activités sportives? Oui, je fais du sport à l'école. En ce moment, c'est badminton et tennis de table. Je raconte ma vie. Mais sinon, oui, je pratique de la danse moderne jazz. Tu as une autre passion que l'univers des dolls? Oui, donc le cinéma. Ouais, c'est le cinéma et puis le dessin. Ouais. 4. Ton youtubeur, youtubeuse favori? Alors, en catégorie Monster Eye, j'en ai pas vraiment. Mais sinon, il y a Tim, Luke Corns, Slava. Je sais pas, il y en a plein. Il y en a plein. 5. Luan Brock est ton vrai nom et prénom? Attends, j'ai l'impression que c'est mal formulé la phrase. Enfin bref. Non, c'est bon en fait. Luan, oui. Et Brock, non. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet. 6. Ta Monster Eye détesté? Avant c'était Goulia, mais en fait c'est pas la plus moche. Hein. Non, je n'ai pas de Monster Eye détestée, elles sont toutes à peu près belles, je trouve. Il y en a qui n'ont pas de détails, tout ça. Bah, celle que j'aime le moins, c'est peut-être Harry à Huntington. Parce que je sais pas, je trouve qu'elle ressemble à Spectra. Même s'il y en a certains qui disent qu'elle ressemble pas, pour moi elle ressemble un peu et voilà. Et puis les reboots, je n'aime pas spécialement ça. Il y en a pas beaucoup, mais j'espère qu'il répondra. Et bah, c'est fait, parce que je réponds à toutes les questions, donc voilà. Maintenant, c'est une seule question de Manon Lolo. Pourquoi tu aimes les Monster Eye? C'est quoi qui t'a poussé à les aimer? Et aussi, c'est quoi ta première MH? Qui est ta préférée? Ok, en fait, non, il y en a plusieurs. Pourquoi tu aimes les MH? Bah, parce que... Je sais pas, faudrait que je me demande à la fille... Faudrait que je me demande à moi-même de 11 ans, tu vois. En 2010, j'aurais dû me demander pourquoi j'aime les Monster Eye. Bah, en vrai, non, je sais pas. Parce qu'ils sont juste méga belles. C'est trop original, c'est trop beau. Enfin, les poupées, c'est la vie, quoi. C'est quoi que t'as poussé les amis? Bah, justement, leurs détails, quoi. Et puis, comme elles sont des monstres, c'est plus... Enfin, je sais pas, c'est beaucoup mieux. Ouais, voilà, parce que les Barbie, à l'époque, j'aimais bien, mais dès que j'ai vu les Monster Eye, je me suis dit, c'est bon, j'en achète, hein. Et aussi, c'était quoi ta première image? Ma première image, c'est Claudine Wolf School Out. Ouais, j'ai affiché une photo ici. J'en suis où? Qui est ta préférée? Ma préférée, j'en ai pas. À chaque fois qu'il y en a une qui sort, je dis que c'est ma préférée et tout.
Mais vraiment, non, elles sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Je peux pas choisir, c'est vraiment impossible. Merci pour tes questions. Des questions de Sarah M. Bill. Ok, j'ai eu une crise de fangirl. Donc, aimes-tu les nouvelles Monster High et le film Bienvenue à Monster High? Alors, les reboots, je les trouve assez belles. Il y en a vraiment qui sont pas bien faites. Mais genre, Laguna, ouais, c'est ma préférée de toutes les reboots. Mais ouais, elles sont quand même assez belles, ouais. Mais je préfère toujours l'ancien modèle, les originales. Les origines. Oui, les originales sont meilleures. Et le film Bienvenue à Monster High. En fait, je l'ai pas encore vu, j'ai pas trop eu le temps. Parce qu'en ce moment, je suis censée faire aussi mon rapport de stage, tout ça, tout ça. C'est un peu chiant, les contrôles. Et puis, je regarde des séries aussi. 21 séries, c'est dur à gérer, tu vois. Mais oui, faudrait que je le voie, donc je te dirai si j'aime bien. Après, ce sont des questions de Ghoul Love Video et Crazy Ghoul. 1. C'est quoi ton film MH préféré? Alors, sans hésiter, c'est 13 Wishes, enfin 13 souhaits. J'aime juste trop le monde oriental, tout ça, enfin, je sais pas, j'ai trop aimé. 2. C'est quoi ce que tu préfères dans les Monster High? Si je te réponds, les poupées. Ah. Non, mais je sais pas, ouais, comme j'ai dit, Monster High, c'est super beau, enfin. Ouais, les détails, les habits, enfin, ouais, les monstres en général, c'est une super bonne idée qu'ils ont eue. Je sais pas. 3. Ce serait quoi la première chose que tu ferais si tu arrivais à Monster High? La première chose que je ferais à Monster High, c'est de faire des câlins à toutes les ghouls. Genre, pour dire je t'aime Cléo, je t'aime Frankie, tellement ils sont trop cool. Merci pour tes questions. Ah, et au fait, excusez-moi pour le fond super dégueulasse. Je suis juste à côté de mon ordinateur pour voir les questions, au lieu d'utiliser du papier. Donc, m'en voulez pas pour ça, merci. Alors, là, ce sont des questions de LPS Lolil. Oui, donc en fait, il y a des gens qui ont posé les mêmes questions, mais je vais répondre quand même, parce que je compte à répondre à tout le monde, même si vous avez posé les mêmes questions, d'accord, hein, juste pour prévenir. Quelle est ta première MH? Bah, c'est Claudine Wolf, School Out. Quelle est ta préférée? J'ai déjà répondu à cette question et j'en ai pas. Et enfin, quand comptes-tu terminer la meilleure série au monde après Once Upon a Time et Under the Dome, je parle bien compris de Twisted Mind. Bah merci, c'est gentil. Ah donc, je vois que tu regardes Under the Dome. Moi, j'ai regardé le premier épisode, je crois, ou le deuxième, enfin les deux premiers, et j'ai pas voulu continuer, mais ouais, ça a l'air, c'est bien quand même, hein. Donc oui, Once Upon a Time, c'est la vie, on est d'accord. Donc merci pour le compliment que c'est bien Twisted Mind. Ben quand j'aurai plus de temps, donc sûrement pendant les vacances de Noël, enfin c'est pas trop, je sais pas trop vraiment, parce que les cadeaux tout ça, je verrai bien. Mais quand j'aurai des idées, mais vous inquiétez pas, c'est pas arrêté, hein, donc je vais quand même continuer dans pas longtemps, voilà. Une question de Fanny MH, ton plat préféré? Au moins c'est précis, c'est la pizza. Ouais, la pizza c'est trop bon. Après, il y a différents goûts que j'aime bien. La pizza aux légumes, c'est genre trop trop bon. Il y en a qui disent que c'est pas de la pizza, mais en fait c'est trop bon. Et en plus, c'est pas super calorique, enfin, c'est bien quoi. Soit la pizza au kebab, c'est bien. La pizza à quoi déjà? La sardine? Non, la truite, voilà, la truite c'est bon aussi. Enfin, j'en ai plein. La pizza en général, c'est bien. Et donc là, j'ai mis les plus grosses questions à la fin. Il y en a 30. J'ai déjà fait 9 minutes de vidéo, donc je sais pas si je vais toutes les faire, mais on va quand même faire.